Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour le 23e épisode du Let's Play sur Far Cry New Dawn. On va donc enchaîner l'exploration, et en plus bientôt on a tout exploré la carte, hein. Et ça c'est beau. Oh, la carte de nuit. Tiens, je l'avais déjà eu en off, mais ça fait le même bug, enfin je pense que c'est un bug, hein, que Far Cry 5, ça met la carte de nuit. Je trouve d'ailleurs que c'est plus stylé comme ça, mais bon bref, passons, ce n'est qu'un détail. Donc, notre prochaine destination, c'est juste à côté, c'est juste ici. Et après, attention, on partira pour la dernière chasse au trésor, que c'est intéressant. Donc aujourd'hui, programme, on va continuer voilà, à faire ces lieux secondaires. On devrait du coup faire un avant-poste, c'est même sûr d'ailleurs. Et du coup, la quête de Sharky, comme j'avais dit à la fin du dernier épisode, on la fera sûrement dans le prochain épisode. Parce que ça, on n'aura pas le temps non plus de tout faire. Ce sera peut-être un épisode un peu plus court, mais en tout cas, non, la quête de Sharky, je vais la laisser de côté pour cette fois. Mais de toute façon, à la fin de cet épisode, ouais, il restera plus beaucoup de lieux à clean, hein, parce qu'on l'a vu. En dehors de la zone du nord que je mets un peu de côté, il reste seulement, du coup, il reste seulement 12 lieux à faire. Donc aujourd'hui, on va peut-être en faire 4-5, je crois, à peu près. Donc, ouais, il restera vraiment, vraiment pas grand-chose. Le reste sera fait en un seul épisode, en tout cas, hein, normalement. Donc ici, on en a 3. Ok. Donc ça, c'est bon. Ah bah, les deux sont là. J'avais pas fait gaffe. Oula, il a couru d'un coup, Timber, là. Il a eu une impulsion. Formule 1. Formule 1, le Timber. Ok, allez, on continue par là. Dernière chasse au trésor. Dommage qu'il n'y en a que 10, du coup, là, sur ce Far Cry New Dawn. Parce que les chasses au trésor, ça reste quand même vachement bien à faire. Donc, c'est dommage. Moi, j'aime bien. Mettez les chasses au trésor dans le prochain Far Cry. Ça, c'est l'appel. On veut des chasses au trésor, parce que c'est trop bien. Ah tiens, ici nous avons des gens du Nouvel Éden. On en croise tellement peu. Il y en a ici aussi. Bon, en tout cas, la région de Face, pour l'instant, on n'a rien vu de marquant. Hein. On n'a pas vu un lieu qu'on connaît bien. En même temps, on n'est pas encore allé vers la prison. J'ai hâte de voir la prison d'ailleurs, en quel état elle est, mais ouais. On n'a pas vu vraiment d'endroit marquant. Hein. Ah bah tiens. Chapelle. La chapelle, on l'avait forcément en Far Cry 5, celle-ci. Enfin, il y en avait plusieurs comme des chapelles de ce type. Mais dans la région de Face, il devait pas y en avoir des dizaines. Bon, après, je me souviens pas même moi en plus exactement. Et on parle de lieu iconique, bon, ça, ça doit en être un, mais pas non plus forcément souvenir, tu vois. Oh, d'ailleurs, c'est pas ici qu'ils avaient montré un gameplay preview. Ça me fait vachement penser à cet endroit, je crois. Ils avaient montré un gameplay preview ici. Parce qu'à un moment, il rentrait dans une chapelle, je me rappelle, et ça, on l'a jamais encore vécu. Donc, soit dans une quête principale, sinon, c'est vraiment ici. Bon, par contre, attends, le chemin était sûrement par là, mais jusque là, j'ai pas... Ouah, mais attends, c'est quoi tous ces trucs, par contre? Ah oui, mince, c'est vrai. Il y a le trésor, faut pas l'oublier. D'ailleurs, attends, on va lire ça directement. Alors, quel indice? Je me contrefous, c'est un ravageur, d'ailleurs, qui dit ça, je me contrefous de savoir comment ce carcajou... Un carcajou qui a volé du coup la clé. Et je me contrefous de savoir combien d'entre vous ont été mutilés en le pourchassant. Sacré carcajou, hein, ça doit être un big boss lui. S'il s'est fait un nid dans l'église, alors entrez, brûlez le nid, récupérez la clé dans les cendres. J'ai besoin que cette cage soit ouverte et plus vite que ça. Putain, on va rencontrer un boss carcajou là ou quoi? Donc oui, on doit bel et bien de toute façon aller dans l'église, dans la chapelle. Sauf que là, moi j'arrive pas à savoir comment on... Ah bah si, en fait on passe juste comme ça. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein? Ah oui. Ben oui. C'est bizarre quand même, un carcajou a élu domicile ici, hein. Oh, quoique, après il y a de l'espace, hein. Et c'est bien agencé. On dirait que c'est le carcajou qui a fait tout ça, tu sais. On l'entend. Oh, saleté. C'est même pas un... C'est même pas un boss carcajou, ils auraient pu faire en sorte que ça en soit, hein. Ça aurait été drôle. C'était un simple carcajou du coup. Rien de plus basique. Ah, il y a quand même... Ouh, il y a 6 ressorts ici. Ah oui, ok. Oui, mais il doit y en avoir après dans le... Dans le cache, je pense. Ah, et ça, c'est le nid, du coup. Ah, très bien, très bien, très bien. Donc, molotov, 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 molotov. Est-ce que j'en ai des molotov? Oui, j'en ai, c'est bon. Donc, attends, est-ce qu'ils sont équipés, mes molotov? Ils sont équipés, tout va bien. On met pas le feu à toute l'église avec ça, j'espère bien. Hein. Sinon, ça risque de faire un peu de mal. Hein. Pourquoi il y a une issue par ici, par contre? C'est pas pour fuir, ça? Non. Là du coup il y avait un ressort, j'ai envie de bien le récupérer lui, mais... Ah oui, mais attends, ici oui, ok. Passage. Hop, on repasse par là. C'est un vrai labyrinthe, hein. Et du coup comment je fais pour... Ah mais le ressort doit être à l'extérieur peut-être.
fait, c'est tout con, ça doit être ça, ouais. Donc là, hop, ok, on ressort. Bon, j'espère qu'il est dehors, parce que sinon, je sais pas où il est. Hein. Je préfère le dire, je préfère le préciser. Hop. Wow, assez court, mais sympathique, quand même, ce petit... Ah mince, du coup, j'ai pas pris la clé, oui, c'est vrai. La clé, j'ai oublié, on y retourne, c'est pas grave. J'ai quand même oublié le truc le plus important, quoi, la clé. Oh. C'est bien beau de brûler le nid. Si on récupère pas ce qu'il y a dedans, on est comme des cons. Mais regarde, on dirait que vraiment c'est le carcage ou qui a agencé tout ça. Hein. Hop hop hop. Ah, donc c'était un carcajou qu'il avait dans ses poches sûrement. Ah, maintenant tout explose. Ah, ok. Donc ça va être un peu plus compliqué de sortir. Ah, donc ici c'est bloqué. Ah non, attends, c'est bon. Ah, bah c'est sûr, c'est mieux avec les effets de feu là, comme ça quand on veut sortir. Hop, et voilà, c'est bon. Excellent, excellent. Je vous disais que ici ça aurait pu ouvrir, mais non, c'est pas ouvert. Et là, du coup, nous l'avons. Le dernier coffre. Ce bruit, par contre, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bruit là? Bruh. Oula, bah, bon, bonjour. On a écrit du Far Cry. Bonjour, monsieur. Hop, donc là on a les ressorts. Est-ce que c'est du coup il m'en manquait que deux des ressorts ou pas? Je veux la confirmation. Nous avons le petit truc audio, petit enregistrement audio. C'est qui parle? Bon, je sais pas, mais bon. Et du coup ici, ouais, 6 sur 6, ok, c'est bon, il n'y a même pas besoin de regarder la carte, quoique si, de toute façon, il y a besoin de regarder la carte pour savoir où est notre prochaine destination. Donc attends, est-ce que j'y vais, là, la cuvette du pyromane? Bah, le pyromane, il n'y en a pas 20 000, hein, c'est Sharky. C'est Sharky, le pyromane. Oh là là, diantre. Mais est-ce que j'y vais, du coup, là? Non, 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 ça, on laissera pour après, on va partir par là. Ouais, sachant que ça, par contre, c'est chiant, mais du coup, Herc, on va vraiment le laisser pour la fin, hein. Même si, bon, on tâchera d'y aller assez rapidement, mais du coup, lui, c'est vraiment dans la fin de mon avancée, tu vois, sur la carte, vu que ça va être vraiment là où il est, c'est le dernier lieu qu'on visitera, hein, donc. Ah là, t'es mal placé, mon petit Herc, hein. T'aurais pu être comme un autre endroit un peu plus stratégique. Ça aurait été un peu mieux. Et là, ouais, effectivement, on va peut-être être plutôt rapide sur toute la progression. Bon, ce sera un épisode plus court, ouais, que vu que je te dise. Ce sera plus court, mais dans tous les cas, non, je ferai pas Sharky. Je ne changerai pas d'avis. Qu'est-ce que c'est que ça, par contre, là, qui est tombé, qui roule encore? Aucune idée. Aucune idée, parce que là, je crois qu'on a encore 3 lieux avant l'avant-poste à faire. Oh, quoique, l'épisode, il va au moins durer 25 minutes, hein, peut-être. Méga estimation. En plus, il est possible qu'on bloque un moment. Voire, il est possible qu'on bloque pas du tout, aussi, hein. Je sais pas. On verra, on verra. Donc ici, on en a 4, le Dead Man's Mill. On dirait un nom de style Pirates des Caraïbes. On peut vraiment penser à ça. Bon bah l'entrée, on la voit d'ici, donc c'est plutôt pratique. Alors la note. Note effacée. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé de rejoindre le Nouvel Eden. Il y a quelque chose qui m'attire chez eux, je ne sais pas. Ils sont fous. Mais la vie est dure par ici. Alors tout ce que je laisse derrière moi, c'est à vous maintenant. Oh, il est sympathique. Je ne peux pas tout emporter... à la flamme pour des... Hein? Je ne peux pas tout emporter à la flamme pour détruire. Je pense à la flamme sacrée, il brûle tout, peut-être avant d'y aller, je sais pas, tout comme ça. Et ça m'ennuierait de me débarrasser de quelque chose qui pourrait sauver quelqu'un alors que ça reste entre nous. Donc peut-être quand ils rejoignent le Nouvel Eden, ouais, ils doivent tout brûler à la flamme. À la flamme sacrée là, je sais pas quoi. On dirait, hein. Attends, du coup, c'était pas par là. Tu vas me dire que le truc que je voyais là, c'était. Il y avait les barreaux, du coup on peut pas y passer. Ouais, il y a des barreaux effectivement, donc attends, faut trouver une autre issue. Par en dessous peut-être? J'ai mal à croire que ça soit par en dessous. C'est un truc fourbe, ah, là, tu vois, c'est bon, on a trouvé un truc fourbe qui va un peu nous bloquer. Tiens, 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 à moins que ce soit par ici. C'était par ici, effectivement. Oula, 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 hé, oh, toi là. Me chie pas dessus? Non mais oh, ça va pas. Bon du coup tout est à l'intérieur, donc là ça va être du rapide. Ça, je pas tant que ça galère. Hein. Je suis tout puant maintenant. Alors ça c'est pas cool. Hein. Ok, donc ça c'est bon.
c'est bon, c'est bon. Et après, il en reste encore deux des lieux là. Yep, yep, yep. Donc peut-être que prochain épisode... Ah non, il y a ça aussi, j'ai pas vu toi, j'ai failli te laisser pour compte là, le chemin perdu. Ah, il est tellement perdu que j'ai failli l'oublier. Ouais non, en fait ça va, il y a encore pas mal de choses à faire. Donc l'épisode aura une durée pas trop courte non plus. Hein. Ça va, ça va. Et je pense à la fin de cet épisode, on ira peut-être se TP justement au Nouvel Eden. Comme ça, si ça active une cinématique, normalement non, vu qu'il n'y a plus de quête. Bon, au moins elle sera affichée voilà, dans la vidéo. Et si c'est pas le cas, bah on y sera et comme ça je pourrais fouiller lui en off. Parce que ça, je vous rappelle, il y a des... Je sais plus ce que c'est exactement, mais il y a des trucs à ramasser là-bas, j'avais pas réussi à les trouver. Donc ça, faut que je fouille en off, ce sera au moins plus simple et on se prendra pas la tête à faire ça ensemble. Mais avant, je pouvais pas le faire vu qu'à chaque fois, on avait une quête qui nous bloquait l'accès à l'intérieur du Nouvel Eden. Normalement, maintenant, c'est clean depuis déjà quelques épisodes. Depuis qu'on allait tout au nord, d'ailleurs. Alors, le chemin perdu. Perdu, perdu, mais à quel point? Au point que je te vois pas sur la carte, ça oui. Mais après, quoi d'autre? Ah, c'est bon, on reconnaît les. Un peu quand même le paysage. Ouais, regarde les ponts là, comme ça qu'on avait dans la région de Face. On reconnaît, on reconnaît. Ah, c'est stylé par contre avec la verdure là. Oh là là, trop classe! Bon, après, pas forcément une grande confiance hein, d'aller sur ce style de pont. Il y a quand même moyen que ça cède. On sait que si on va dessus, ça va pas céder, mais quand même. Quoi que ce sera pas, ils font un script. Genre, c'est, tu t'y attends pas parce qu'ils auraient jamais mis un truc comme ça dans le jeu auparavant. Et là, hop, tu vas sur le pont, il craque. Oh, ce serait tellement stylé, tu sais, ils font ça spécialement juste pour un pont sur la map. Même s'il y en a d'autres comme ça, mais celui-ci, ils font en sorte que tu vas dessus. La première fois, paf, il casse, il pète. Et vu qu'en dessous, il y a de l'eau, je crois, hein, de toute façon, donc tu meurs même pas, hein, c'est juste pour te faire une petite frayeur. Au pire même, tu meurs et puis c'est tout bon. Oh, il y en avait encore un, là. Bon, et Timber qui s'en charge. Ah oui, quoique, non, là, c'est le dessert. Hein. Mais non, mais ce serait fun. Après, bon, il a pas l'air si instable que ça, le pont, mais... Moi, je donne des concepts, hein. Des concepts comme un autre, hein. Alors, note d'un survivant, chéri, est-ce que toi ou l'un des enfants pourrait fouiller la vieille maison? Je crois que j'y ai laissé tomber la clé en cassant du matériel. Bon, là, déjà, la clé, de toute façon, on n'aurait pas eu besoin de cette dernière. Hop. Oh, j'ai quand même envie d'aller sur le pont, du coup. Bah ouais, attends. On est obligé d'aller sur le pont, hein. Je peux pas être ici et ne pas aller sur le pont. Non, c'est impossible, je ne peux pas résister. Et là, imagine, ils l'ont vraiment fait, ils ont fait un script spécial pour que le pont, il casse, il cède. Possible. Ah oui, surtout qu'en fait, il est beaucoup plus large que je le pensais. Ah, oh, mais c'est trop stylé, hein. Ah, c'est trop stylé, regarde, on saute dessus, là, on veut que ça pète. Et ça ne pètera pas. Cette décoration végétale, en plus, est des plus splendides. Donc... Maintenant on part par là, là c'est quand même un peu plus espacé, hein. C'est plus du 300 mètres entre chacun des lieux. Hein. Regarde, là on est à combien de mètres d'ailleurs? Oh, on est que à 400 mètres, je pensais que c'était plus. Et on a un véhicule, est-ce qu'il sera utile? Parce que là c'est surtout des chemins vraiment un peu dans les montagnes, un peu campagnard, donc on n'a pas vraiment de vraie route. C'est presque plus rapide d'être à pied. Qu'est-ce qu'il fout lui? Tu vas pas rester à l'intérieur comme ça? What the fuck? Bon, du coup je l'écrase hein mais... Ah, j'ai bien fait gaffe d'ailleurs si le véhicule était pas piégé, non c'est bon. Mais regarde là, y a pas de route. Enfin si y en a une mais... Ouais bon, c'est une perte de temps, je vais mourir là par contre. Non c'est bon. Mais tu vois pas une idée... pas une bonne idée de prendre le véhicule. D'ailleurs je vais rester peut-être sur la hauteur pour l'instant. Ouais, on va remonter. Oh là, quelle escapade! Mais en restant sur la hauteur, au moins après, je vais peut-être descendre en wingsuit. Même si j'ai aucune confiance en cela, mais... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Genre là, je peux peut-être me permettre d'ailleurs de descendre en wingsuit. Je vais encore un peu avancer pour voir. Ça du coup, bon, ça c'est l'avant-poste qu'on va faire, je crois. Hein. On y est si proche, donc je crois que c'est lui. Pas sûr, mais j'ai l'impression. Ou alors c'est l'autre qu'on fera plus tard. Non, même pas besoin de sauter en wingsuit là, j'ai l'impression. Oui, parce que j'y vais seulement si on nous oblige, hein, mais là, si je peux descendre naturellement. Et c'est le cas, on descend naturellement. Je le sens pas à wingsuit, hein. C'est pour nous faire le même que lors d'un dernier épisode. Non, c'est bon, j'évite. J'évite, j'évite. J'évite tout wingsuit. Je sais pas ce qu'il est derrière moi là, vouloir me chasser, mais reste derrière moi. Pas le fou!
En plus maintenant il y a des gens qui me tirent dessus. Oh putain il m'a chopé. Oh, monsieur, monsieur, monsieur. Monsieur ou madame. Vous voyez, ouais, coup de crosse pour terminer toi. Ouais quoique, c'est tellement pas une bonne idée et je lui mets 12 de dégâts. Oh là 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 là. Maintenant il y a eux en face. Oula, je suis tombé dans une embuscade là ou ça se passe comment? Chassé par les ravageurs et les animaux. Cruel destin. Voilà. On termine quand même parce que bon, tu vas pas t'en sortir non plus. Et où Timber? Oh, c'est bon, il cavale encore mais en mode super Formule 1. T'inquiète même pas pour lui. Et ici du coup on arrive je ne sais pas où. Et surtout, oh, un pan. Mais ici c'est vachement vide. 4 genre. Bon déjà là on en a 2, donc en fait pas trop étonnant qu'il y en ait 4. Mais où sont les deux autres? Ça me paraît très vide comme endroit quand même. Ah bah ils sont là? Oui ok. C'est un endroit très plat, très vide. Il te met tout comme ça à portée. Bon bah très bien. Et du coup il nous reste un petit dernier lieu avant d'aller vers le petit avant-poste. Juste ici, baraquement oublié. Non il n'a pas été oublié celui-ci. Hein. Direct je l'ai vu sur la carte, t'inquiète même pas. L'avant-poste non c'est peut-être lui en fait, donc lui je sais plus parce que là on est encerclé d'avant-poste en fait. Ah je suis encerclé. Putain. Je parie que c'est un grizzly hein. Je sais toujours pas faire la différence mais chaque fois c'est des grizzlies eux avec la peau comme ça, donc voilà, je vois c'est un grizzly, belle analyse. Est-ce qu'on a au moins vu un ours depuis le début du jeu? Est-ce que c'était pas à chaque fois d'ailleurs des grizzlies? Ah, certainement, certainement. Il n'y a peut-être jamais eu en fait eu d'ours. Il y en avait sur Far Cry 5, mais ils ont peut-être tous disparu. Hein. Là, faut croire qu'il n'y en a peut-être plus du tout. Quelle tristesse pour les ours. Les grizzlies ont pris le dessus. C'est l'espèce dominante. Donc là, je crois qu'on en a 3 à récupérer. Et je crois qu'on a des ravageurs aussi, non? Ouais, il y a un otage, donc il y a des ravageurs. Hein. Lui, il s'est pas ligoté tout seul non plus. Wouhou, je pense que j'ai plus beaucoup de balles dans ma FAMAS là. Enfin, espèce de FAMAS. Ah, lecteur MP3. Mais ça faisait hyper longtemps, je sais même plus combien j'en ai. Je crois qu'il m'en manque beaucoup, hein, je crois. Je sais pas où sont ceux que j'ai pas, mais de toute façon on aura des cartes hein, pour savoir ça. Pour savoir les emplacements des lecteurs MP3. Oh mais, il m'a chié dessus encore, oh. Et ouais, je suis bien curieux de savoir, tiens, combien il m'en manque du coup. Bon là, il doit falloir avoir une clé, mais bon, je l'ai pas besoin. Une crochette. Alors, lecteur MP3, j'en ai combien? Dis-moi tout, dis-moi tout. Il va peut-être pas me dire. Faut devoir regarder dans les menus direct. Oui, je crois. Quelle tristesse. Alors, mot d'adieu. Si vous trouvez ce mot, c'est que je suis parti. Ah ouais, je vois ça, hein. J'aime toujours le père, mais je ne peux pas... rester, il a eu une femme avant moi et un enfant, je pense que les rumeurs sont vraies. Je n'y croyais pas avant, mais il y a eu une nouvelle face, et ça me fait peur. Quoi? Si vous avez des enfants, vous comprendrez, ça me brise le cœur de partir, je ne vous oublierai jamais. Vous êtes ma famille, si je pars, c'est pour le bien du bébé. Je l'appellerai Ethan. Oh, pour qu'il soit fort et solide quand l'effondrement aura lieu. Je vous embrasse Megan. Oh, ça c'est très intéressant. Ok. Ok, ok. Ah, donc, moi je pensais il disait mon père, parce que voilà, on dit ça à chaque fois, mais non, Ethan c'est vraiment le fils du père. Ah, bah on dirait bien, hein, vu ce qu'il écrit. Elle est hyper importante cette note, pourtant elle est au beau milieu de nulle part. Et oui, du coup, ok. Une nouvelle face, du coup, c'est Ethan, non? Même si c'est pas une fille, lui, mais... c'est peut-être ça, je sais pas, mais on dirait, hein. Bon, en tout cas, Ethan, du coup, ça a vraiment l'air d'être... Ah, il était là, la clé. Ça a vraiment l'air d'être le vrai fils. Et on est à 5. 5 sur 10. Alors ça, par contre, c'est assez fou, parce qu'il m'en manque 5, sauf que j'ai bientôt visité tous les lieux de la carte. Donc, où sont les 5 manquants? Bon, on verra quand on achètera la carte pour les emplacements des lecteurs MP3, mais... Oula, ok, quand même, hein. Ça me paraît assez étrange. Jardin abandonné. Alors, jardin abandonné, c'est sûrement des lieux de Far Cry 5, ça. Peut-être l'endroit qu'on avait tout fait brûler là, je m'en rappelle. Ça a l'air vachement excentré, donc c'est peut-être ça, oui. On y était allé pour une quête, il y avait le docteur à tuer, bref. Voilà, voilà, je fais un peu la description de la quête hein, qu'on avait à cet endroit. Et donc est-ce que c'est là-bas? Je pense qu'on peut reconnaître si c'est ça.
l'endroit. Il y avait des serres et tout. Hop. Mais c'est possible que ce soit ça, vu que c'était dans la région de Face. Et c'était des jardins. Enfin, avec des serres et tout, quoi. Donc, oui, ce serait pas étonnant qu'ils aient transformé ça en avant-poste. Hein, sachant qu'à l'époque, ce n'était pas un avant-poste, mais c'était un lieu de mission. 100 mètres encore, alors. Je sais pas. Il y avait la grande maison, mais ah, je sais pas, ça me paraît plus petit qu'à l'époque. C'est vraiment cet endroit. Je sais pas, je sais pas. Donc l'alarme. Elle est là, l'alarme. Oh, attends, je crois qu'on a le clear shot pour une fois. Pour une fois, j'ai l'angle de tir parfait. Ah bah, c'est pas pour tout le temps, ça. Hein. Ok, je suis déjà grillé. Ah bah lui, ça a raté en plus. Bon bah, allez, hein. De toute façon, maintenant qu'on sait qu'on gagne pas plus d'éthanol à être discret, autant foncer dans le tas. Bonjour, je suis là. Ça a pas l'air d'être ça, hein. Après, l'endroit a peut-être tellement changé que, effectivement, je reconnais pas. Ça, c'est possible. Putain, par contre, ils sont combien avec des lance-flammes? Ça fait référence à la mission que je viens de dire. C'est donc bien cet endroit, non? Non, non, non. On extrapole. Oui, par contre, il y a pas mal d'ennemis, non, ou quoi, là? Ah ouais, non, c'est parce qu'il y a les animaux en cache pour ça. Ça met des points. Il en reste au moins un. À moins qu'il faut les tuer pour... Non, ok. Celui-ci qui reste. Voilà. Et on fait le petit niveau 2. Et ouais, ça fera une vidéo peut-être un peu plus courte, 25 minutes. Mais bon, voilà quoi. On aura quand même bien avancé. Nice. Ça, c'est l'avant-dernier avant-poste. Hein, même si après, on les aura tous pour faire le niveau 3. C'est après quand même le dernier, quoi. Des avant-postes qu'on n'a jamais visité. On sent quand même qu'on s'approche de la fin. En tout cas, surtout en termes de secondaire, on a bientôt vraiment fait tout le tour, quoi. Ah non, là, plus 25. Ah, donc ça veut dire que j'ai encore été discret tout à l'heure quand j'ai fait niveau 2, parce que je pensais pas que j'avais été discret. Mais il semblerait que si. Oh, je comprends plus, hein. Oula. Là, j'ai gagné que plus 25, mais d'habitude, je gagne pas plus 50. Non, bon, comme je l'ai dit, je sais plus. Ça m'embrouille. Donc on enchaîne directement, de toute façon... Hop, 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 même s'il y a des trucs de titane, sûrement, et tout bon. J'en ai déjà récupéré pas mal, là, déjà, pendant ces deux derniers épisodes. Alors, les alarmes, je sens qu'il y aura au moins une des deux alarmes qui va me poser problème, là, qui va bien être dans un foutu angle de tir. Je dois faire le tour et tout. Ça va être chiant. Mais j'avais pas été discret, là, dans le dernier épisode, qu'on avait fait le niveau 2 de l'avant-poste. Enfin, il me semble pas, en tout cas. J'avais été grillé. Si bien, non. Mais ça serait bizarre. Déjà, là où, je spawn, c'est pas bon. Pourquoi on spawn en contrebas comme ça, là? Ouais, on sait, on sait. C'est pour ça que je veux quand même détruire les deux alarmes. Oui, déjà, je pense qu'on peut se permettre de l'avoir. Voilà. Si, bon. Ici, on a un petit spot, peut-être. Eh, y a personne! Excellent. Ok, donc on a une alarme ici. Mauvais angle de tir. Et la deuxième, elle est là. Et mauvais angle de tir. Donc effectivement, ça va être trop compliqué. Non, 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 non. Non, je veux pas de renfort, s'il vous plaît. Je veux pas d'exécuteur. Ouais, donc là, ça va être particulièrement compliqué. Hein. Ah, j'ai un angle de tir. Putain, il y a des angles de tir bizarres, mais on les a. Hein. Oui, il manque toujours une. Là, ça fait même pas collade, mais c'est mort. Elle est trop loin l'alarme, je vais pas pouvoir la désactiver à temps. Quoique. Putain, s'il y a personne là-bas, vite. Ils sont tous avec des lance-flammes. Oh non, bon bah trop tard. On dirait vraiment que c'est ça, hein. Ça fait trop de référence, tu sais. Il y a des lance-flammes de partout. Oh, c'est quoi ces animaux albinos là? Ils sont vraiment albinos en plus, ils sont tout blancs. C'était quoi ça? Bon, je sais pas, j'ai pas eu le temps de voir. On désactive quand même l'alarme, même si je suis pas sûr que ça soit utile à quelque chose. Bon, du coup, il va y avoir l'exécuteur, hein, l'élite, le mec élite. Tant pis, tel est le destin. Lui, il se fait protéger par les objets secondaires. Non, mais tout va bien. Tout va bien, ou rien ne va plus, d'ailleurs. Il est où, là, le mec élite, hein, qu'on le défonce? Je suis prêt. Je suis prêt à le cueillir. Parce qu'on nous parle de renfort. Ah, ok, ils sont arrivés par là. On parle de renfort, mais on voit personne. Ah, et Nico, ok.
C'est même pas... C'est même pas les renforts là-bas. Si, ça doit être... Oui, oui, ok, si. Mais non, en fait, c'est des animaux, ça. Non, les renforts, c'est vraiment ça. Est-ce qu'il y a moyen de le détruire, lui, en mode batteuse? Ah non, c'est bon, ils sont là. Oh, bah, je sais plus, hein. C'est étrange, quand même. Pour l'instant, on n'a pas d'exécuteur. Moi, exécuteur, c'est le mec élite, ouais, mais... Il est pas vu, hein. Et l'hélico, il s'est cassé. Ouais, tout ceci est bien étrange. Hop, bon, toi, t'es pas albinos, tu vois. Et quoi donc? En plus, parce que là, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Ah, mais ce sont les cerfs, ouais. Oh, il est là, c'est bon. Attends, bah, du coup, on va passer quand même sur une arme de la même rareté que lui. Oui, il y a Timber, par contre, qui attaque. Il va se faire tuer, Timber. Il est fou. Non, non, Timber, non, non, non. Joue pas à ça. T'as pas le level. Oh, quoique... Putain, il lui a mis cher. J'ai rien dit, Timber. Et en plus, il a toute sa vie, quasiment. Wow, Timber, il est en train d'affronter des mecs élites alors qu'il est niveau 3, lui. Il peut pas aller élite, le pauvre. Rien ne va plus. Et voilà, mission accomplie. Épisode accompli aussi. Eh ouais. Une pierre de coups. Jardin abandonné, libéré. Bon là, ça va pas être 125 ou 150, hein. Ça va être 100 tout court, là. Ah non, 200. 200, 200, 200. Ouais, donc voilà, quoi. C'est vrai, vu que c'est le niveau 2, on en gagne plus. J'avais oublié. Ah, mais c'est peut-être pour ça, oui, qu'on avait gagné 50, du coup. C'est parce que c'était le niveau 2, donc tu gagnes plus. Puis sinon, c'est 25. C'est bon, j'ai compris mon erreur. J'ai compris l'erreur de compréhension. Bref, on va donc pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. Voili voilou, donc là il reste encore moins de lieux du coup à faire. Ouais, on est à 80 sur 101, donc il en reste 6, dont 4 au nord. Donc ici il y en a. Bah 6. Voilà, voilà. J'ai dit 6, mais non, du coup c'était 10. Hein. Donc on a hop, 1, 2, 3, 4, 5 et à Sharky. Donc Sharky pour la prochaine fois, mais avant de terminer l'épisode, du coup, comme je vous dis, on va se TP ici. Normalement, ça va pas activer de cinématique. Normalement, on va pouvoir rentrer même à l'intérieur. Je préfère vérifier. Comme ça, du coup, je pourrais fouiller ça en haut. Je vais peut-être, du coup, découvrir un peu les zones d'ombre là sur la carte aussi. Au moins, ça sera tout bien clean. Et on pourra commencer avec Sharky, du coup, la prochaine fois. Je pense qu'on fera peut-être Sharky, puis après, on ira vers l'expédition d'Alcatraz, la fameuse. Ça peut être un bon plan. Donc là, on n'est pas à l'intérieur. Attends, du coup, est-ce que je peux rentrer ? Entrée. Enfin, ok, donc je vais pouvoir enfin fouiller cet endroit du coup à la recherche de ce qui me manque. Eh ben, il était temps quand même, hein, il était temps. On m'a enfin accepté. Enfin, surtout, enfin, il n'y a plus de quête qui m'obstrue le truc. Hein. Du coup, on va pouvoir vraiment s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'était le cas, likez, commentez, partagez. Ça me fera extrêmement plaisir, sa petite récompense. En plus, du coup, j'ai Timber, donc là, ça va être ultra rapide pour tout récupérer en off. Hein. Ah bah oui, là, ça va pas rester traîné avec lui. Et du coup, sur ce, je vous dis bye. Tout le monde, ooh yeah!